Ma fille, Ola. Papa. Tu es maintenant une adulte. Ai-je raison? Et une fille forte. Et je voulais te raconter une histoire. C'est celle d'une prêtresse forte qui était destinée en prince. Papa, raconte-moi. J'ai hâte d'écouter cette histoire. Ah. Eh bien, cela s'est passé il y a très longtemps. Dans un village appelé Inishiako. Mon roi, calmez-vous. Tout se passera bien. Je sais que les dieux de nos ancêtres ne nous abandonneront pas. Oui. Hein? Rien ne se passe sans la connaissance de notre dieu. Ne vous inquiétez surtout pas, il est au contrôle. Calmez-vous. Ono, qu'est-ce qu'on entend? Mes aînés... Qu'est-ce qu'on entend? Cher aîné, asseyez-vous, calmez-vous, calmez-vous, asseyez-vous. Écoutez. Tout se passera bien. Mon roi, j'ai peur. Peur de quoi? Parle! Ça s'est encore produit, mon roi. Qu'est-ce qui s'est reproduit? Nenboake me charge de vous dire que nous avons perdu l'enfant. Hey! Ah! Les dieux de nos ancêtres, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans le royaume de Momusiako? Pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Calmez-vous, tout ira bien. Calmez-vous. Tout se passera bien. Votre Majesté, elle est là. Je salue mes anciens, mon roi. Quelles sont les nouvelles? Naimbeke me charge de vous délivrer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est? Oui, et qu'est-ce que c'est? Votre enfant est né. C'est un garçon et il est en vie. Un garçon? Excusez-moi, mon roi. Oh! Igwe! Les dieux nous ont enfin exaucés! Igwe! 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 Je sais de quoi je parle. Hein, le peuple de la terre, de Mouma. Les dieux de nos ancêtres ont répondu à nos prières. Le prince de notre royaume est né. Et le roi a dit, venez festoyer. Venez remplir vos ventres et réjouissez-vous. Venez, oh! Nay, as-tu entendu ça? Ma chère, j'ai entendu, oh. Apparemment, notre royaume est enfin béni par un prince. Les dieux nous ont exaucés. Ma chère, Amadou est un vrai dieu, je t'assure. Allons-y. Allons-y. Écoutez, oh. Écoutez, ah. Je dis ce que j'ai à dire, oh. Si vous ne voulez pas écouter, c'est pour vous. Les dieux ont enfin écouté. Igwe m'a chargé de vous dire, toi et toi devez venir au festin
et se réjouir. Je dis ce que j'ai à dire, si vous voulez, n'écoutez pas. Alors, finalement, notre royaume a été béni d'un prince. Pour dire que Amadoua est vivant et exauce toujours nos prières. Qu'Amadoua soit loué. Maintenant, notre roi aura la paix. Enfin, nous, les habitants d'Oumouma, pourrons maintenant marcher tête haute, car notre royaume est béni. Et puis, notre dieu, Amadoua, est un vrai dieu. Effectivement, mon frère. Je suis très heureux. Effectivement. Je suis heureux. Peuple de Moussiyaku, Gwen. Ya. Peuple de Moussiyaku, Gwen. Ya. Gwen. Ya. Gwen. Ya. Isako. Je vous remercie tous d'être venus célébrer avec moi la naissance de mon fils, votre prince, le futur héritier de ce trône. Que Amadoua vous bénisse et vous protège tous. Issei. J'invite ici l'honneur de ce grand royaume à venir présenter mon fils, votre prince, à notre grand roi, à toi. Nibai Kelemundo. Ya. Nibai Kelemundo. Ya. Ngenu. Ya. Mwanu. Ya. Vous connaîtrez tous la paix. Oh. Le grand Honoru. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés, en tant que Honoru de ce grand royaume, je dédie notre prince, qui vient de naître. Au dieu Amadoua de ce royaume, je prie également que les dieux de notre royaume le protègent et le gardent. Issei. Qu'Amadoua lui accorde sagesse et connaissance. Issei. Il héritera de ce grand royaume. Issei. Et tout ce qui viendra avec. Issei. Ima Ekelemundo. Ekelemundo. Enu. Manu. Izeno. Peuple du royaume de Moussiyaku. Puisque vous êtes venu célébrer avec moi, vous mangerez et vous buvrez à votre guise. C'est un grand jour. Igwe. Un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire de ce grand royaume. Qu'Amadoua continue de vous bénir et de vous protéger tous. Igwe. Igwe. Igwe, quelle est cette façon de regarder notre fils? Cela fait 12 ans qu'il est né. Pourtant, tu le regardes comme si c'est hier qu'il était né. Ma reine, je ne peux m'empêcher de le regarder. C'est mon bonheur. Alors, tu es en train de me dire que je ne suis plus la source de ton bonheur? Ne me dis pas que tu es jalouse de notre fils. Je ne suis pas jalouse, de notre fils. Mais je t'ai posé une question que tu n'as pas répondu. Si mon fils est mon bonheur, alors sa mère que tu es est la source principale de mon bonheur. Merci beaucoup, Igwe. Honoru, Obakar, Honoru, Obakar, qu'est-ce que c'est? Parle-moi, Obakar, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu cries Honoru, Honoru, Honoru? Honoru, il s'agit du roi. Le roi? Qu'est-il arrivé au roi? Honoru, on a besoin de vous au palais. Ah, Obak!
Ah, Na. Oui. Tu es de retour? Oui. Oh. Dépose-le là, oui. Je sais que ce fardeau est tellement lourd. Ah. Oh. Oui. Très lourd, oui. Bienvenue. Ne t'inquiète pas, le repas sera bientôt prêt. Mmh. D'accord, dépêche-toi. J'ai mal de faim. Laisse-moi t'aider. D'accord. Des choses étranges se passent dans ce village ces jours. Des choses étranges comme quoi? L'état de notre roi est le plus inquiétant. Quel état? J'ai entendu dire qu'il s'est rétabli. Non, se rétablir, pas du tout. J'ai entendu les aînés dire la dernière fois que l'état de notre roi empire. Et même le fait qu'il ne peut ni parler, ni manger, et même ouvrir ses yeux. Pas de mon vivant. Ah. Que peut-il bien être la cause de tout ceci? Je ne sais pas. Et particulièrement maintenant qu'il a un fils pour le succéder à la tête du royaume après sa mort. Effectivement. Ou peut-être qu'il a été maudit. Il est maudit. Hey! Chut! Comment peux-tu dire ça? Désolé. Ne sais-tu pas que les murs ont des oreilles? Ne dis plus jamais, jamais ça de ta vie. D'accord. D'ailleurs, désolé. Arrange-moi ce feu. Arrange-le, arrange-le. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut-il me répondre? Suis-je en train de parler aux sourds et aux muets? Oh non, oh. Depuis que nous sommes arrivés là, personne ne nous donne aucune nouvelle. Nous sommes là justement à attendre que Lolo rentre d'où elle est partie pour nous dire exactement ce qui se passe. Et où est-elle? Lolo, qu'est-il arrivé à notre roi? Mes aînés, c'était hier soir après avoir bu le vin de palme. Je l'ai trouvé, il criait dans la chambre. J'ai couru et je l'ai trouvé allongé comme ça et... Et quoi? Hein? J'ai couru dans la chambre, je l'ai trouvé allongé, il se plaignait de son ventre. Et je lui ai demandé ce qu'il avait pris. Il m'a dit que c'était juste ce vin de palme et qu'il n'a rien mangé d'autre. Je l'ai trouvé nous allongé ici. Nous avons tous bu de ce vin de palme. A-t-il bu un autre vin de palme après que nous soyons partis? Oui. C'est la chose qu'il a pris. Ceci est étrange. Et ces mots, comment ça se passe? Oh, yemenizo, morning. Et ces mots? Parce que l'Onohu et les Emo étaient derrière tout ça. Ils sont même allés jusqu'à conspirer de vouloir tuer la Lolo. Et ensuite, juste après, ils sont même allés jusqu'à faire de l'Onohu le nouveau roi. Et il y a eu tant de débats avec les autres anciens.
Qu'est-ce que c'est? Parle-nous! J'ai très peur. Hein? On fait présage. Les dieux sont silencieux. Mes aînés, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Ma reine, calmez-vous, Oh non, tout ira bien. Parle, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît, ma reine, calmez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Hein? Le roi est mort! Hey. Hein? Le roi est mort! Hein? Hein? Le roi! Le secret du caméléon! Seuls les dieux le connaissent! Peuple du royaume d'Omuma et Shiako, et c'est moi. Les ténèbres ont envahi notre communauté! Notre roi Izora est parti au pays du non-retour. Aïe. L'abriroco est tombé. Incroyable. Hey. Les dieux doivent faire quelque chose. Ezemo, je tiens à te remercier infiniment. Tu vois, tu m'as vraiment mis hors soupçon de la façon dont tu as géré notre plan. Une fois de plus, merci, Ezemo. Ce n'est rien comparé à ce que tu as fait pour moi. Je serai toujours à tes ordres, je te le promets. C'est juste le début. Juste le début. Bien, maintenant que nous avons réussi à éliminer le roi, le trône est maintenant vacant. Pour que je l'occupe? Mais il y a un problème. Et qu'est-ce que c'est, la reine? Bien sûr. J'ai ce pressentiment dans mon cœur que si elle reste en vie, elle causera beaucoup de problèmes à mon règne. Bah quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Si tu veux que j'élimine la reine cette nuit, je le ferai certainement. Ce serait parfait. Ce serait parfait. Je le veux le plus tôt possible. Mais, Marco, je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter de la reine. Nous devrions plus nous inquiéter pour nous. À propos de la jeune plante, le prince. Non. Laisse-moi m'en occuper. Il est trop petit pour être un problème. Nous avons traversé le fleuve, l'océan, les rivières. Un ruisseau serait-il un problème? Pour nous? Non. C'est très bien. Et astucieux. Merci. Ce sera ma mission. Et je te le promets. À très bientôt. Chers anciens de ce village, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans ce palais de notre défunt roi, Ezeo-roi. Ça fait déjà 6 mois que notre défunt Ego a rejoint ses ancêtres. Et nous savons tous qu'un royaume sans roi n'est pas en sécurité. Alors je vous ai tous convoqués pour que nous puissions nous mettre d'accord sur le devenir de ce royaume. Onu, chers anciens, je vous salue tous. Nous savons tous que ce royaume, depuis la mort de notre digne roi, le défunt roi, n'a aucun souverain. Oui, nous le savons. Mais, pour moi, ça ne devrait pas être un souci. Oui, en ce moment de commencer à chercher quelqu'un qui le succédera, les dieux nous ont montré bien de signes pour que
nous puissions donner au défunt Igwe un successeur au nom de prince affamé Funa. Donc je pense que la meilleure chose à faire maintenant est de se mettre ensemble pour le faire grandir, l'élever traditionnellement et culturellement, jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Oui, après quoi il pourra accéder au trône de son père, par la grâce de nos ancêtres et les dieux de notre royaume. Il régnera sur nous encore mieux que son père. Écoutez, non, Obwedi, je n'ai pas fini. Je parle encore, c'est uniquement mon point de vue. Itiadindo, ne te méprends pas. Car ce que dit Ono ici est que le trône a besoin de quelqu'un pour le contrôler, jusqu'à ce que le prince devienne majeur. Donc ne te méprends pas ici. Obwedi, je sais où tu veux en venir. Écoute, ce que je dis en fait, actuellement, c'est que les affaires qui concernent ce royaume devraient être traitées par Onowu, qui est justement le garant de la tradition de ce grand royaume. Alors, cherchant à vouloir couronner qui que ce soit d'autre ne devrait pas être notre problème. Laisse-moi te dire quelque chose. Eh bien, à moins que quelqu'un, avec beaucoup de zèle, convoite aussi ce trône, mais je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vouloir prendre une place qui est déjà occupée. Tu ne peux pas prendre la place... Arrête ! Et ferme ta bouche si tu n'as pas quelque chose de raisonnable à dire. Tu es en train de me laver de salive. C'est ce que je dis. Tu me laves de salive. Je prendrai ça comme une erreur. Mais si tu le refais à nouveau, je dirai à Madoua de te destituer. Amadoua ne lui ferait jamais une telle chose. Il dit la vérité. Qui te donne le droit à ça ? Parce que je dis ce qui est juste. Il n'y a rien de vrai dans sa déclaration. Rien. Il n'y a rien de vrai dans sa déclaration. Mbakou a raison. Je vous le dis, parce que vous ne le savez pas. Parce que l'on ne peut tromper les dieux, car ils sont de l'écœur. Il ne peut pas être couronné. Oui. Tu sais vraiment pas ce que tu racontes. Oui. Souverain, oui. Crois-moi. Écoutez bien, Onowu, ma voix vous dire, toi, devais venir au palais, immédiatement. J'ai transmis ma nouvelle, si vous voulez. Sais-tu? Continue, je ne t'en veux même pas. Regarde-le. J'ai dit ce que j'avais à dire, vous deux, allez-vous-en. Allez. Bonjour. Salut à vous. Mes sœurs. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, ma sœur. Pourquoi nous demande-t-il notre présence? Je ne sais pas. J'espère que tout va bien. Toi, tu demandes comme si tu ne vis pas dans ce village. Mais je vis. Hein? Que s'est-il passé? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Entendu quoi? N'as-tu pas entendu quoi? Entendu quoi? La reine, notre Lolo, est morte. Ah? Comment est-ce que c'est arrivé? Elle est morte dans son sommeil la nuit dernière. Maintenant, pouvons-nous partir? Amado, Mes chers. Ok. On se voit après, alors. Mes mains sont propres, ça ne me concerne pas. Jésus. Très cher peuple, les ténèbres se sont emparées de notre royaume. Et nous savons que seuls les dieux savent pourquoi il en est ainsi. Ce que je m'apprête à dire maintenant est très difficile pour moi de le dire, mais je dois le dire. C'est donc avec le cœur lourd que je vous annonce à tous que la reine Adadiorama nous a quittés. Elle est partie rejoindre ses ancêtres ce matin. Obogona tuwe tuwe ji na wenu na wenu o. How? Onowu, cher ancien, je vous salue. Je vous ai convoqué à cette réunion pour que nous puissions résoudre ce problème de roi dans notre royaume. Comme nous le savons tous,
Notre royaume est assez grand pour exister sans roi. Et nous savons tous ici que Afamefuna, le fils de notre défunt roi, est très jeune pour nous gouverner. Alors je veux des suggestions de vous tous. Alors la parole à qui veut la prendre? Chers anciens, je vous salue tous. Ce que tu dis est juste. Itindukwe, Itimbakwe, ma question est la suivante. Avons-nous un volontaire? Ou avons-nous quelqu'un? Ou mandatons-nous quelqu'un que nous aimons? Bonne question! Je ne suis pas d'accord avec les agissements des Zemo. Et Zemo n'a pas le droit de choisir qui sera notre roi. Vous savez, parfois je me demande si c'est un gamin ou il se comporte comme un gamin et pourtant il est mature. Ichio Zondo, ce n'est pas le moment pour les insultes. Comme je l'ai dit, tout ce dont nous avons besoin, ce sont les suggestions. Mes chers notables, je vous salue. Je suggère qu'on choisisse un roi parmi nous. C'est une bonne idée. Chers anciens du royaume de Moussiyaku, moi, Ozondu, je suggère que nos dieux nous fassent voir qui sera notre nouveau roi. Tu as tout à fait raison. Bien sûr. Tu as parlé comme un homme sage. Et qui a Dindu? Qu'as-tu à dire? Mes chers anciens, vous avez tous bien parlé. Vous avez décidé que notre Ezemo, le grand prêtre, devrait choisir un autre roi. Mais je suis ici pour vous dire que le grand prêtre ne peut pas choisir un autre roi pour nous. Oui, c'est la pure vérité. C'est ainsi parce que, en ce moment même, nous avons déjà un roi en devenir. Oui. Attends, je ne comprends pas. Ichia Dindu, es-tu en train de dire que nous devrions couronner cet enfant? Comme roi, c'est ce que tu veux dire? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alors qu'est-ce que tu dis? Écoute. Appelons un chat, chat. Nous ne pouvons pas avoir un prince qui arrive à l'âge adulte et couronner quelqu'un d'autre comme roi de ce royaume. Ça ne se fait pas. C'est de ça dont je parle. Ça ne peut pas être possible. Je n'accepterai jamais que cela arrive. Jamais. De toute façon. Je maintiens toujours que... Et c'est moi. Choisisse pour nous. Effectivement. C'est mon point de vue. Oui. Mais les dieux aussi. Sauf si vous voulez défier les dieux. Et vouloir que ces dieux combattent pour vous. Oui. Car le jour où nous avons intronisé ce garçon, prince de ce royaume, vous avez tous célébré. Ichi. Adindu, cette réunion est terminée. Obidia. 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 Mon mari. Mais que se passe-t-il? Je te sens très excité. Obidia. Que se passe-t-il? Parle à ta femme. Obidia. Hmm? Tout va très bien. Je dis tout va bien. Mon mari, s'il te plaît, parle-moi. Ok, d'accord. Demain à cette même heure, tu ne seras plus une villageoise ordinaire dans ce village, dans ce royaume. Oh, mon mari, tu vois, je sais que tu aimes tirer les verres du nez. Mais celui-ci, hein, tu vas juste me dire ce que c'est. Dis-moi tout, s'il te plaît, parle-moi. Quoi? En rentrant à la maison, j'ai rencontré Ezemo. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'Amadora m'a choisi comme prochain roi de ce royaume. Non. Ouais, attends. Ouais. Mon mari, s'il te plaît. Donc, ce que tu essaies de dire exactement est que très bientôt, quand je marcherai en route, les gens s'adresseront à moi en tant que reine de ce village. Je marcherai avec mon chasse-mouche. Obidia,
Obidia, hein? Très bientôt est un euphémisme. Hey. Demain, à cette même heure, hein? Toi et moi allons aménager au palais hey! En tant que roi et Lolo. Dieu de nos ancêtres, je vous salue. Mon mari. Hein? Je sais que tu es un homme au chapeau rouge. Non, un roi au chapeau rouge. Igwe. D'accord, tu es maintenant un Igwe. Mais je voudrais demander une petite chose. Pourrais-je, s'il te plaît, emprunter ton chasse-mouche? Il y a cette danse. Je vais te la montrer. Je sais maintenant, Igwe. Donne-moi. Je peux tout faire. Danse pour moi. Igwe. Danse pour moi. Igwe. 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 Hey. Hey. Igwe. Igwe. Hey. 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 Peuple du royaume de Momasiako. Bouhou. Par le pouvoir qui m'a été conféré, comme les émois, le gardien des traditions, j'annonce par la présente Kitche Mbako est le roi 1 du royaume de Momosiako. Jusqu'à ce qu'Amamefuna eh bien, devienne majeur. Igwe! Igwe! Eiji Adindo, j'annonce pas la présente, que tu es le nouvel Onohu du noble royaume de Momasiako. Onohu. 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 Zubwani Onohu. Onohu. Mburu. Mburu. Cher peuple, je vous salue. Yeah. Oui, je vous salue. Yeah. Je vous salue. Yeah. Je suis heureux d'être votre nouveau roi. Tout ce que j'attends de vous, c'est votre collaboration pour faire avancer ce royaume. Je prie que les dieux de notre royaume vous bénissent tous. Qu'ils vous bénissent tous. Yeah. Cher peuple, je vous salue. Je vous salue, je vous salue. Yeah. Que les dieux de nos ancêtres vous donnent le pouvoir, la sagesse et la force de diriger ce royaume. Je vous ai tous rassemblés ici pour vous informer de mon nouveau gouvernement. Tout ce que je vous dirai aujourd'hui ne sera plus jamais dit. Parce que aucune erreur ne sera tolérée avec moi. Premièrement, je veux vous annoncer qu'il n'y aura plus de repas de midi dans ce palais. Parce que c'est la source de votre paresse. Et c'est pourquoi vous ne faites pas tous vos tâches comme cela se doit. Deuxièmement, je ne veux pas de rapprochement entre vous. Que chacun soit de son côté, aucune discussion, parce que c'est le début d'une conspiration. Troisièmement, vous voyez mon fils, Izu. Je veux dire Izuna, le prince de ce royaume. Vous devez prendre soin de lui. Vous devez le protéger de votre vie. Si quelque chose lui arrive, je vous tuerai tous. Vous paierez de votre vie. Mais si je fais bien comprendre. Oui, oui, Majesté. Oui, Majesté. Maintenant, rejoignez vos postes respectifs. Dégagez! Tu sais que tu as été dur avec tes mots. Vraiment très dur avec tes mots. Obidia, ils n'ont aucun choix que de faire ce que je leur demande. Eh oui. Mais tu es tellement ravissante ce matin. Je le sais. Oh là là. Je suis la reine. Je ne peux y croire.
Savez-vous qu'il y a à peine 2 semaines et c'est déjà ainsi? Comment pouvons-nous être traités comme des esclaves? Comment allons-nous survivre? Oh. Notre peuple est dans le mauvais camp et je prie que notre Dieu puisse nous délivrer de cela. Le fait est que tout le monde a peur de lui. Même notre Ichi. Onohu a aussi peur. Mm-hmm. Onohu a aussi peur. Tout le monde semble avoir peur de lui. Mais pourquoi? J'entends pas. Allez, chacun à son poste. Meke. Oui, mon roi. Tes services ne sont plus nécessaires dans ce palais. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de femme enceinte dont tu dois t'occuper. Alors tu dois partir. Votre Majesté, la défunte reine m'a demandé de rester et prendre soin de Famifuna jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Nous avons mis une servante pour le faire. Votre Majesté, s'il vous plaît, permettez-moi de rester. Je vous en prie. Maintenant, dégage. Obaka. Oui, Majesté. Fais sortir cette femme de ce palais immédiatement. À vos ordres. L'Onohu, en tant que nouveau roi, a chassé la sage-femme. Pourquoi? Pourquoi Onohu a-t-il chassé la sage-femme? Pour avoir la main mise sur l'héritage. Car elle était supposée être l'héritière présomptive du prince. L'avenir d'Omusiaku repose entre tes mains. Tu dois protéger le prince de ta vie. Mm-hmm. S'il te plaît, le royaume d'Omusiaku te sera reconnaissant. Mais je promets qu'après ton départ, je protégerai notre prince. Merci. Il est en sécurité, rien ne lui arrivera. Merci beaucoup, ma fille. Mm-hmm. Merci. Kamadiora te guide et te protège. Sois béni. Merci. Je vais prendre ceci. Mais, prends soin de toi. Je le ferai, ma fille. Retourne au palais. D'accord, j'y vais. J'irai bien. D'accord. J'irai bien. On se verra très bientôt. Au revoir. Uloma! Uloma! Mon roi, vous m'avez appelé. Que fais-tu là-bas? Je jouais avec Afamefuna, mon roi. Et qu'en est-il de mon fils, Izuna? Il doit être avec les autres servantes à l'intérieur. A-t-il pris son bain? Non, mon roi. Ça ne va pas chez toi? À cette heure de la journée, il n'a pas encore pris son bain? Qu'étais-tu en train de faire? Dépêche-toi et amène-le prendre son bain immédiatement! Hors de ma vue! Paresseuse! Thank you.
Prince, Afam, que t'est-il arrivé, hein? Dépêchez-vous, allez, par ici. Mon roi. Mon roi. Mon roi, qu'est-ce qui te rend pensif? Quel est le problème? Tu es si troublé. Qu'est-ce que c'est? Femme, je n'ai aucun problème. Je vais bien. Non. Mon roi, ta réaction et tes actes disent le contraire. S'il te plaît, parle-moi, je suis ta femme. Quel est le problème? Qui te contrarie? Obidia, je t'ai dit que je vais bien. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi seul. Tout de suite! D'accord, si tu le dis. Mais s'il te plaît, calme-toi.
Ma reine, vous m'avez fait appeler. Oui, c'est exact. Je veux que tu me promettes au nom des dieux que tu rejoindras Mbeke, la sage femme, à prendre soin de mon fils qui est destiné à devenir roi. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Je donnerai ma vie pour lui, ma reine. Merci beaucoup. Kamadou te protège. Issé. Mais ma reine, à vous entendre parler, j'espère que tout va bien. Ne t'inquiète pas, tu peux y aller. D'accord, ma reine. Reste ici, promets-moi de ne pas bouger. Reste ici, je reviens tout de suite, d'accord? D'accord? Ils sont par là, allez! Allez, allez, dépêche-toi! Allez! Alors, le Onowo et Ezemo ont réussi à tuer le prince? Non, ma fille. Mais quelque chose d'autre s'est produit. Les dieux ont protégé Afamefuna d'eux. Alors, qu'est-il arrivé à Afamefuna? Et comment les dieux l'ont-ils protégé? Ma fille, les voix des dieux ne sont pas les voix des hommes. Hein? Le prince a été sauvé par les centaines d'habitants des villages voisins. Je pense qu'il est mort. Non. Que veux-tu dire non. Par là? Ne vois-tu pas du sang sur lui? Je pense qu'il est mort. Tu sais quoi? Cette chasse est close. Votre Majesté! Votre Majesté! Mon roi. Quelles sont les nouvelles? La mission a été un succès comme prévu. Êtes-vous certain qu'il est mort? Mon roi, voici les preuves. C'est excellent. Qu'en est-il de mon garçon? Je veux dire, mon fils. Il est en vie, mais inconscient, comme vous l'avez instruit. Bien joué. Je suis agréablement impressionné. Et je promets que vous serez bien récompensé, croyez-moi. Merci, mon roi. Vous pouvez disposer. Paula, where are you?
mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Le pire est arrivé. Le pire? Mais que s'est-il passé? J'ai vu Ono qui rentrait du palais. Devine ce qu'il a dit. Comment pourrais-je deviner? Dis-moi. Il dit qu'il a vu Prince Izuna. Oui. Qui lui a dit que le prince est mort et son corps est dans la forêt. Qu'ils ont été attaqués par des inconnus. Hey! Amadou est attaqué? Oui. Par des inconnus? Oui. Alors, où vas-tu maintenant? Je vais au palais pour savoir si c'est vrai ou pas. Au palais? Oui, oui, oui. Eh bien, allons-y, allons-y. Ok, allons-y. Oui, allons-y. Hey! Hey! Je suis toujours confus. Ce n'est pas possible. C'est possible. Comment le sais-tu? Ça ne retrouve pas le prince, affamé Funa. Alors il est peut-être mort. Ne parle pas ainsi, hein? Ah. Je m'en vais. Oui. Les calamités et les atrocités se sont soudainement produites. Tu ne te débrouilles pas mal, Emmanuel. Merci, mon roi. Pas comme les autres servantes. Je ferai de toi l'une de mes alliées. Ah, merci, mon roi. Tu peux disposer. Merci, mon roi. Merci. J'ai demandé à te voir, mais tu as refusé de coopérer. Pourquoi? Votre Majesté, je ne suis qu'une veuve. Et ce qu'il me demande de faire est un interdit. Nous l'aurions fait pacifiquement, avec tant de présents. Mais puisque tu as décidé d'être têtu, je le ferai à ma manière. Mon roi, s'il vous plaît, je suis une veuve, s'il vous plaît, aidez-moi. Ce garçon fait ici. Ne peut-il pas dormir à l'intérieur? Ah, Ikana! 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 Hey! 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 Ikana! Ikana! Hey! Hey! Ikana! Hey! Hey! Amadoua Igwe 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 Ah, 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 ah
les anciens, comme je l'ai dit. Si les choses ont un commencement, alors elles ont une fin. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de rester calme et prier les dieux. Leurs chemins sont très différents des nôtres. Igwe! Allez vous taire et me dire ce que vous faites ici. Mon roi, s'il vous plaît, mon seul et unique fils vient de mourir après que je lui ai donné de l'eau pour soulager son mal de ventre. Il est juste mort après ça. Oui. Oui. Igwe, Igwe, je me suis réveillé ce matin. J'ai constaté que mes animaux domestiques sont tous morts dans la nuit. Mon roi, Igwe, mon roi, s'il vous plaît, mon seul et unique fils vient de mourir après que je lui ai donné de l'eau pour soulager son mal de ventre. Il est juste mort après ça. Devenu du sang. Oui, oui. Garde, Igwe, amenez-les loin d'ici. Je réglerai votre cas quand j'aurai terminé. Debout, debout. C'est vraiment très étrange. Très étrange. Vraiment très étrange. Nos peuples d'Amoussiakou n'avons jamais, jamais vécu ce genre de choses dans notre histoire. Pas du tout. Jamais. Pourquoi ce genre de choses devrait-il se produire à notre époque? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Shadzindo. Hein? Laisse-moi te rappeler. Cette réunion n'a pas été convoquée pour que nous venions poser des questions inutiles, tu comprends? La calamité s'est abattue sur notre royaume. La chose à faire, c'est de trouver une solution à ça. Oui. Hé, hey, je te ferais mieux de la fermer. Ferme ta sale bouche, oui. Tu sais pas quoi dire. C'est pas vrai, qu'est-ce hein? que c'est que cette insulte? C'est vrai que tu n'es pas en train de me oui. Dis-nous comment? Comment tu ça peux ça trouver une solution à un problème si tu ne connais pas la cause? Un problème que tu n'as pas. Assez. Pour ce que tu jamais, c'est vous insultez, ok? Assez. Ça suffit. Assez, c'est ça vrai. Assez de ces disputes! Nous ne sommes pas là pour nous quereller! Hein? Igwe. D'ailleurs, quiconque a sa maison en feu ne va pas à la poursuite des rats! D'accord? Mais ils sont à sa poursuite! Igwe. Ils sont à sa poursuite sans connaître la cause! Qu'est-ce qu'on poursuit? Garde! Va m'appeler Ezemo! Dis-lui que je veux le voir tout de suite! Et laissez-moi tous vous avertir que ce soit la dernière fois que ce genre de disputes et d'insultes se produisent dans mon royaume. Si vous l'osez encore, Otoku, 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 Majesté, Ezemo, mes anciens, Ezemo. Les dieux sont toujours calmes. Que dis-tu? Les dieux sont encore silencieux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi les dieux devraient-ils être silencieux dans cette pareille situation? Ils ne peuvent pas être silencieux, parce que nous avons plus besoin de maintenant. Nous avons besoin de maintenant. Hein? S'il te plaît, Ezemo, s'il te plaît, tu dois les consulter de nouveau. Consulte-les de nouveau, nous ne pouvons pas continuer de nous taire comme ça. Essaye encore, nous ne pouvons pas continuer de nous taire, consulte-les. Ezemo, écoute, les dieux de nos ancêtres ne peuvent jamais rester silencieux de pareilles circonstances telles que celles-ci. Qui es-tu? Itia Dino, assieds-toi. Qui es-tu pour questionner les dieux? Que doit-on faire alors? C'est ton alors tu veux dire que nous devons rester là et voir nos enfants mourir, c'est ça? Mais non, c'est assieds-toi. Je ne peux pas accepter cela. Tu vas t'asseoir, mon cher. Hein? Calmez-vous, mes anciens. Que se passe-t-il ici? Allez, calmez-vous. Ah. Anciens, c'est aussi étrange pour moi. Les dieux n'ont jamais été silencieux envers moi en ce qui concerne les problèmes de ce royaume jusqu'à présent. J'ai très peur. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire. Absolument rien. Mais attendons, Amadoua. Je dois le consulter. Tu nous demandes encore d'être patient? Donc tu veux qu'on croise nos bras et voir nos enfants mourir, c'est ça? Non, 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 non. Il dit que nous devons attendre. Ok, Tiozondo, représente Amadoua et donne-nous une solution à notre problème. Si tu me donnes de l'espace... De le représenter. Si tu me donnes de l'espace, je le représenterai. Oui, pense qu'il ne peut pas le faire. Il peut le faire. Mais qu'est-ce que c'est que tout ceci? William Wayo. Notre patience a des limites. C'est la seule chose que nous puissions te dire. Alors écoute-nous très bien. Nous ne pouvons pas continuer de nous taire. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'être le venin de l'autre.
Mes anciens, j'irai faire quelques sacrifices à Amadioha. Et aussitôt que ces sacrifices seront faits, Amadioha pourra nous répondre très très bientôt. Calmez-vous. C'est ce que nous espérons, des solutions. Ezimo, honnêtement, je m'inquiète tellement à propos des choses étranges. Qui se passe? N'y a-t-il pas de solution à ça? Je t'écoute. Majesté, je suis aussi confus que vous l'êtes. Et je suis même encore très très confus parce que je n'ai absolument aucune idée de comment arrêter ceci. Majesté, j'ai ce pressentiment que ce royaume est sur le point d'être anéanti par les dieux. T'en fie à quoi? C'est une abomination. Les dieux de nos ancêtres ne permettront pas cela. Mais, Majesté, honnêtement, je pense la communauté entière est punie à cause de ce que nous avons fait. Vas-tu la fermer? Et c'est mon jeu dit de la fermer avant que quelqu'un d'autre ne t'entende. As-tu oublié que les murs ont des oreilles? Hein? Si les dieux devraient nous punir, cela doit commencer par toi. Tu dois mourir en premier. Et non les innocents de ce village. Votre Majesté, les voix des dieux ne sont pas les voix des hommes. Vous ne comprendrez pas. Je ne veux pas comprendre. Et que ce soit la dernière fois que tu fais une telle déclaration en ma présence. Oui, Votre Majesté. Maintenant, dispose. Dispose, je dis. Hé, ma sœur. Oui, ma sœur. On va-t-il en courant ici, bonjour. Biko, s'il te plaît, il n'y a rien de bon dans cette journée. Rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me précipite comme ça chez Mamushina. En fait, j'ai entendu dire que deux de ses fils sont morts la nuit dernière dans le sommeil. Hey! Deux de ses hey! Fils. Hey! Non, pas seulement un. Hey! Deux de ses fils. Ha. Morts dans la nuit? Deux sont morts la nuit dernière dans le sommeil. Amadouae! Peuple du royaume de Mosiaku, qu'avons-nous fait? Que se passe-t-il? Méritons-nous cela? Je me demande. Aïe! Je me demande ce qu'on a fait pour mériter ça. Les membres de nos familles meurent tous les jours. En grand nombre. Et tout ce que les grands prêtres trouvent à dire, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est que les ancêtres sont silencieux. Silencieux? Qu'ils sont silencieux. Laisse-moi vite aller la voir. Peut-être quand tu déposeras ton fardeau, d'accord, tu viendras me vas-y. Rejoindre plus tard. Je la verrai après, hein. Obika! 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 Oui? Obika! Emeka? Obika! Il y a un problème! Pourquoi tu cries mon nom comme un fou? Obika, papa! Papa fait quoi? Obika! Papa est tombé du palmier! Quoi? Obika, papa est mort! Non! Il est tombé! Ah, allons-y, allons-y! Je ne sais vraiment pas quoi faire! Papa! Je ne sais vraiment pas quoi faire! Papa! Obika! Dieu de nos ancêtres, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi toutes ces calamités est sur nous? Combien de temps cela va-t-il durer? Nos récoltes sont en train de mourir. Les animaux et même les enfants. Toujours, ils disent que les dieux sont silencieux. Amadoua, s'il te plaît, viens à notre secours. Mes anciens, je vous souhaite tous la bienvenue dans ce palais. Oui. Mon roi, mes chers anciens, mes chers collègues, je vous salue. Atinte, bienvenue. Igwe, je me demande, qu'allons-nous sérieusement faire? Vu que les dieux de ce village et Amadoua ont tous gardé le silence, qu'ils sont tous silencieux. À notre situation, qu'est-ce que nous allons faire? Devons-nous continuer de croiser les bras et regarder nos familles mourir?
Nos familles meurent et ne cessent de mourir en très grand nombre. Jusqu'à ce qu'ils soient exterminés, c'est ça? Que les dieux de notre village nous épargnent de ça. Ichi Adinde, comment peux-tu dire une telle chose? Igwe, ne voyez-vous pas ce qui se passe? Cela ne pourra jamais arriver. Pas sous mon règne. Si ça ne peut pas arriver, alors faisons quelque chose. Oui. Bien sûr. On va trouver une solution. Et qu'en est-il des émois? N'a-t-il pas ce mot à dire? Tout ce qu'Ezemo dira quand il viendra ici, c'est que les dieux sont silencieux. Ce serait sa seule contribution. Oui. Rien de plus. Oui. Combien de fois avions-nous invité Ezemo ici? Combien de fois et il a refusé de venir ou encore dit un mot? Je propose qu'on trouve une solution nous-mêmes. Oui. Mes anciens. Patience. Patience. Calmez-vous. Non, Igwe, c'est quand même la première fois qu'il donne une aussi bonne idée que celle-là. Ouais. Essayons de trouver des solutions nous-mêmes. Merci, mon frère. Je sais exactement comment vous vous sentez. Je sais également que vous avez tous hâte de trouver des solutions à la calamité qui tombe sur notre royaume. Mais faisons-le sagement. Soyons très prudents pour ne pas aller à l'encontre des désirs des dieux. Parce que ce serait vraiment désastreux. S'il vous plaît, mes anciens. Igwe, si je puis me permettre, dans une situation pareille, que suggérez-vous? Que faisons-nous? Ichi Adindo. Igwe. Prends un ancien avec toi. Allez tous les deux chez Ezemo. Dites à Ezemo que je vous ai envoyé. Que je vous envoie demander à Amadoua. Ce qui se passe dans notre royaume. Devrions-nous continuer à attendre Amadoua ou devrions-nous aller de l'avant pour trouver des solutions de nous-mêmes? D'accord. Igwe, chez Ezemo Zurumba. Hein? Bam. C'est d'accord, hein, Igwe? Je vous ai compris, je promets, je ferai ce que vous voulez que je fasse. Je le ferai. Vous avez bien parlé. Okpotete borom, borom be borom. Mirim borom ajantara borom. Angu borom angahia borom. Ululu borom ajantara borom. Evi boromusa. Teke boromusa, ovyo boromusa. Ha. Chers anciens du royaume de Momaïsiako, je vous salue. Nous vous saluons, grand prêtre. Je peux voir votre peine et votre amertume. Je sais. Vous voulez que tout le royaume de Momosiako soit restauré et que tout redevienne normal. Vous voulez voir le royaume de Momosiako être restauré. Oui. Mais en ce moment, je vous conseille et vous encourage d'être fort. Soyez fort et patient. Et je vous assure, moi et Ezemo, tout ira bien. Et c'est une question de temps. C'est une question de temps, mes anciens. Attends, Ezemo, attends. Êtes-vous en train de dire que ça va ou alors que ça ira? Je vous ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous insinuez? Alors, vous voulez nous dire que les dieux sont toujours silencieux? Ichie Ozono. Hein? Je dois vous dire la vérité. Eh bien, les dieux sont toujours silencieux. Quoi? C'est pas vrai. Soyez patient. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Aisez-moi. Dans mon sanctuaire? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces histoires, comprêtre? Non. Dis-le-leur. Dis aux dieux que notre patience a expiré. Ouais, c'est ça. Que nous ne pouvons vraiment plus les attendre. Nous sommes fatigués d'attendre. Dis-leur juste, s'ils sont incapables, nous allons trouver une solution à notre problème nous-mêmes. Ouais. Et c'est pour très bientôt. Très bientôt. Nous n'allons pas continuer à attendre. Arrête. Est-ce que vous savez que vous êtes dans le sanctuaire? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit ce que vous pensez, vous pouvez le dire. Et ce que vous pensez faire, faites-le. Ça n'a aucune importance. Hein? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous me faites pas peur. S'ils ont décidé qu'ils veulent verser du sang, alors qu'ils versent celui des animaux uniquement. Et s'ils n'en veulent pas, alors qu'ils les laissent partir. Oui. Nous allons trouver une solution. Nous ne pouvons pas continuer de nous taire. Allons-y.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.